Bonjour, bonsoir, chers fidèles abonnés à Coup de Projet. Madame Francine Guémé de la Belgique. L'actualité au Congo oblige. Il y a des accusations sur accusations. Des accusations sur accusations. Maître Peter Kazadi, toujours sujet, il y a bah, députés provinciaux corrompus pour n'a qu'au voter bah, sénateur. Les torchons brûlent. Maître Peter Kazadi a bagi à votaki. J'ai coco pas bagi à votaki. Si vous parlez de Moutouango, moi, le vrai qui avait voté, sénateur Mouro, il y a PPS. J'ai coco à lobby que y a votaki. Maître Peter Kazadi n'a pas mouna épé à lobby à votaki. Alors, tout le monde a vérité, ça n'a pas à nani. Nani a zoko ça, nani a zolo babo solo. Mais en réalité, Bitumba o ezo sala maya ko luka vérité nani ne vise que voix moko na nani a vota ki nani azali ki azota mona ligne de conduite ya parti eza ko embrouiller pourquoi sur le 12 personnes le 12 députés provinciaux ya UDPS o bataki censé normalement ya sa ba voix na bango pona ko zo ba sénateur kati ya chambre haute ba sa ki a monté et pe si plutôt parler bozana ba milliards na maboko bo baby si yango bo baby si. Si vous avez 10 francs de bonheur, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez conscience que vous avez dit que vraiment la conscience dit place incompréhensible Ali. Je coco dit que il a voté pour un sénateur de l'UDPS. Alobi hier que vous avez jamais corruptible. Vous avez dit que hier avez dit que vous avez voté avec ou sans UDPS. Voilà, tu es bien au point à côté qui n'a pas côté en a. Toi qui gauche, droite, c'était j'ai quoi en train de côté en a. N'a qui n'a pas joué en a. Il n'a qu'au postulé sans étiquette, il y a parti politique. J'ai coco, n'a qui n'a pas voté. On ne fait pas l'avocat à j'ai coco, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est tout simplement pour que Toka Kolokako coupe sa coup de projecteur afin que Toka Kolokako dissipe ou les alibons obscurité. Parce que le politique congolais, homme politique congolais, baza la vérité dans mon nom qu'on a bangoté, baza ko doublé, baza dribblé peuple congolais. Comment veux-tu, yo député aux Otalangai, élu délimité à la députation provinciale, cadre de l'IDPS, j'occupe la fonction du secrétariat national adjoint chargé de la mobilisation et candidat vice-gouverneur pour la ville-province de Kinshasa. Je suis à votre disposition pour ce que vous savez, ce qui court dans les réseaux, dans les chaînes de télévision, partout, dans les bouches des dents, ça dans les bouches des gens, allais-je dire, ça circule comme du vent. Je me suis mis aujourd'hui à votre disposition pour qu'on essaye d'évoquer des sujets. Et je suis prêt à vous répondre. Je suis à votre disposition. On dit que vous avez voté pour les candidats FCC aux élections sénatoriales. On veut un peu avoir des précisions par rapport à ce qui s'est passé. Vous auriez été également corrompu. Du tout, je suis incorruptible. Ça, je commence par là. J'ai voté pour mon parti et j'ai suivi à la loupe la consigne donnée par les partis. Je l'ai suivi, je dis bien, à la loupe, minutieusement. Et j'ai voté pour les partis. Dans sous peu de temps, je vous montrerai des preuves. Je suis un vieux loup. Je suis à ma troisième législature. Je sais comment ça s'est passé en 2007. J'avais pris toutes les dispositions possibles, je dis bien possibles, pour ne pas me faire suyer dans la merde ou me faire suyer ou me mettre dans les sacs des gens qui n'ont pas respecté les consignes de leurs partis politiques respectifs. Mais comment certifier que vous avez voté pour le candidat du parti? Comment vous avez fait? Parce que le jour du vote, le téléphone a été, l'usage du téléphone a été interdit, oui, dans la salle de plénière. Mais aussi, en tant que cadre du parti, l'UDPS, comment vous justifiez cet échec au niveau des élections sénatoriales? Et c'est qui doit porter cette responsabilité? Madame, nous ne sommes pas en justice pour dire
tel ou tel qui portera la, la responsabilité du, de l'échec subi par les partis. On est là pour dire la vérité, rien que la vérité, et surtout qu'on respecte nos consciences. Moi, ma conscience, elle est tranquille, elle dort là où elle est, calmement, sans tâche. Je n'ai pas d'insomnie, je suis zen. Quand vous parlez d'échec, je pense que c'est un échec général, mais ce n'est pas un échec individuel. Moi, je ne dirais pas que moi j'ai échoué parce que j'ai voté les candidats de mon choix et les candidats que les partis m'avaient donné pour voter. Donc l'échec là, c'est un échec. Certes, il est général, mais il n'est pas individuel. Comment il se justifie ? Madame, je vous dis calmement que j'ai qu'une seule voix. Certes, vous allez me poser la question que vous êtes à 12 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On est à 12, je l'assume. Mais ce n'est pas chaque député qui va voter à la place de l'autre. Un député a les pouvoirs, a les droits de voter qu'une seule fois, et puis il n'a qu'une seule voix. Si on aurait dit aujourd'hui que je vote pour les 12 députés, et puis il y avait des manquants de voix, j'allais dire, oh, j'assume parce que j'ai voté pour d'autres personnes. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, je vais vous le prouver, que j'avais voté pour mon parti et pour les députés de l'IDPS. Vous avez posé une question qui allait m'échapper. Comment je prouverais cela? Et vous avez dit, vous êtes encore allé très loin en disant que l'usage des téléphones a été interdit. Heureusement que c'était que les téléphones qui ont été interdits, mais il y a des stylos caméras qui n'ont pas été cités. Je l'ai, et tout à l'heure, je le mettrai sur mon ordinateur. Vous allez voir et la date, et l'heure, et les candidats que j'avais voté. On verra si c'est un candidat du parti, ou c'est un candidat étranger, ou c'est un extraterrestre. Mais comment juste comprendre l'échec de l'IDPS? Non, ça n'engage pas. Si vous voulez comprendre l'échec de l'IDPS, vous allez sur... Moi, je suis un cadre du parti, mais je ne suis pas le responsable du parti. Nous devons faire la part des choses. Vous connaissez mieux les... responsable du parti ou les porte-parole. Et puis j'aimerais bien préciser quelque chose. Là, je n'engage pas les partis. Là, je parle, Gérard Moulumba, c'est la personne de Jekoko qui parle, un tout petit député provincial de Kinshasa, mais je n'engage du tout les partis et je ne suis pas les porte-parole du parti. Mais la survie de votre parti. Je le sais, ça m'inquiète aussi, mais on changera de fusil d'épaule pour que les partis survivent, pour que les partis avancent. Mais comment le problème de vous parler, c'est un député qu'on vous cherche. Quel est le député qu'on vous cherche? Vous avez trahi le parti. On a bloqué la porte et parmi les listes de personnes citées, nous avons été surpris qu'il y ait un, deux, on aura des Jekokomou. Par rapport à cette réaction de la base, qu'est-ce que vous dites? Et la conséquence, deuxième question, le président de la République... Non, je pense qu'on aille mollo. Vous posez une question et puis vous allez poser la deuxième. Non, je préfère pas. Vous n'allez pas nous dicter ici. On n'est pas sur les chaînes des plateaux de votre chaîne. Monsieur Peter, vous avez... Non, point de presse, je le sais, mais j'ai aussi un avis à émettre. Je réponds par la première question. Elle va venir. Je ne vous ai pas interdit de poser la deuxième. Qu'on commence par une. La première, si je suis recherché au niveau de parti, vous me l'apprenez. Les combattants, dans mon quartier, les combattants qui habite ici. Je ne suis pas recherché parce que je ne suis pas un brigand. Les partis, les responsables des partis connaissent mon adresse. Et j'habite en face du président AI du parti. Il est en face de chez moi ici. Je ne suis pas recherché. Et vous avez encore parlé de la réaction des combattants. C'est une réaction normale. Mais j'ai déploré quand même les dérapages. Ils ont réagi. Certes, c'était bien. Mais les dérapages, là, je suis... contre les dérapages. Manifester, c'est constitutionnel. Mais quand vous allez pour faire autre chose, c'est que la Constitution n'a pas prévu. Moi, j'ai déploré cela. Par rapport au président Fatshi, qui suspend l'installation du Sénat et même l'élection du gouverneur dont vous êtes candidat, votre réaction, n'est-ce pas une honte pour vous que vous soyez tapé sur le nez par le président de la République? Merci beaucoup, M. Peter. Elle est pertinente, votre question. Quand le président aujourd'hui déplore la corruption, il ne parle pas que de l'IDPS. Nous devons être clairs. Je prends un exemple simple. Dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, là où moi j'ai siège, le PPRD a 6 députés provinciaux. Mais ils ont eu combien de sénateurs? Aucun. Je ne parle pas qu'ils ont été corrompus. Je ne parle pas de ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a une période de campagne. Et pourquoi existeraient les candidats indépendants? Je ne prône pas pour les gens qui ont désobéi les consignes de leur parti, c'est regrettable. Mais moi, ce qui me concerne, moi, j'ai respecté, je l'ai dit avec certitude, avec véhémence, je l'ai respecté à la loupe, M. Peter.
Je ne sais pas si vous pouvez dire autre chose. Je termine par là. Vous avez respecté quand même que... Je vais vous les prouver dans quelques minutes. Vous avez entendu autre chose si j'étais là-bas. Je ne veux pas entrer dans ces polémiques. Là, je sais que tu adores polémiquer. Merci, c'est bien. Mais je ne parle pas de Peter. C'est mon chef au niveau du parti. Je n'ai pas le temps de parler pour lui. Je lui dois beaucoup de respect. Peter a voté en âme et conscience. Peter sait pour qui il a voté. Vous voulez que je déballe un peu? Oui. Non, tu me pousses à déballer, mais je ne vais pas te donner cette occasion. Non. Madame, il y avait une dame qui voulait poser une question. Dernière question, c'était juste pour savoir, vous ne me coupez pas honorable. Vous avez refusé de siéger, je termine par là, à l'Assemblée nationale, parce que mon Zito était corrompu. Il a pris des immeubles partout. Encore aujourd'hui, vous allez siéger avec les présumés corrompus. Si vous dites que mon Zito était corrompu ou corrupteur, ça n'engage que vous. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de mon Zito. Aujourd'hui, on est là pour parler de la corruption que je déplore, de l'échec de mon parti, et de mon... parce que mon parti a échoué. Par transitivité, j'ai échoué également. Même si moi, j'ai respecté la consigne du parti. Mais mon parti n'a pas eu de sénateur ici. Non plus à dans le Kassai. C'est un échec et je l'assume. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de M. Mozito ici. Vous allez siéger avec des corrupteurs. Je ne dis pas qu'il y a eu des corrupteurs. Je ne veux pas entrer dans ton débat là, s'il te plaît. Oui, honorable, je me rends gêné pour dire, vous êtes présenté comme candidat du vice-gouverneur à Kinshasa. Et par rapport à toutes ces allégations, ne craignez-vous pas que ça puisse impacter à votre candidature vu que vous êtes aussi parmi ces élus-là qui sont cités? Je pense que c'est la meilleure question que je viens de recevoir parmi tant d'autres. Madame, vous croyez que quelqu'un qui est candidat va aller se faire corrompre pour voter pour d'autres personnes? Alors que j'avais l'obligation, ou j'ai l'obligation de protéger les voix d'abord du parti qui sont assurées que j'aurai déjà. Si je m'étais aujourd'hui mis sur la liste des candidats, parce que je savais qu'IDPS a 12 députés provinciaux. Donc c'était déjà un avantage. Nous sommes majoritaires dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Madame, je reste et je demeure les candidats vice-gouverneurs pour les comptes de l'IDPS dans la ville-province de Kinshasa. Parce que ce sont vos collègues de l'IDPS qui prennent ces doigts. Je ne pensais pas que... Quand vous parlez des collègues, il y a une différence entre camarades de l'IDPS et collègues. Oui, merci madame. Si on fait, il faut qu'on rectifie des questions, ça devient compliqué. Ce sont les camarades de l'IDPS, oui. Qui pointent, vous qui êtes à l'Assemblée provinciale. Oui. Et alors... Madame, ne perdez pas votre souffle, gardez votre salive. D'ici 2 minutes, vous allez voir que j'ai voté pour mon parti. Question à Lingala. Ok, à Lingala maintenant. Merci. Honorable, Mbote. Mbote Ndeko. Moi, ma question est à Mbote. Mais ça, moi, je suis trop que la mort est un petit peu tard. Il y a une pour l'oublier à la calamité que on a dit qu'on signe à partir. Mais je vous rappelle au outil pour nous, qui est une assemblée provinciale, pour vous, ça n'a pas été tant que vous avez la campagne des Alaki. Pour la procédure, les électeurs, vous avez la députée provinciale. Kozoa, obima sénateur, na esprit au niveau du spectacle des consignes. Les arrivés du Cambo, il y a pour séduire par électeur, puis il fallait impérativement pour respecter qu'à la cour de la partie, le Kozoa sénateur. Voilà les acquis réponses, je laisse moi à tout Nakiango, na limbo Nakiango, qui est na kati, il y a assemblée, période de campagne, pays à la ka. Je parle de l'Assemblée. La partie candidat à cause de l'indépendance, candidat à cause de la partie. Na quand il assemblée, place où l'élection est là, l'élection où il y a donc il y a toujours l'Assemblée provinciale. Tout le temps, l'élection, il y a sénateur, tout le temps, l'élection, il y a le gouverneur. Donc, le candidat indépendant, il faut que nous ayons un lycée, c'est pour que tout le monde à Kinshasa, au Congo, comprendre qu'il y a aussi des candidats qui sont indépendants. Bah outil n'a parti mon côté et puis n'habite qu'ils ont la période moko il y a campagne au basalaka voilà nous sommes bien en haut le zaba faux débat c'est bien qu'on pose des questions je vous respecte beaucoup mais zaba faux débat parce que ngai en âme et conscience n'a respecté que au mokondi nanga il y a parti à l'obaki jamar kabunda baki pour voter batu il y a parti il y a ngo yonga na salaki jamar kabunda le dit avant mon salaire élection les arabes naïe binonyons il a eu beaucoup de sénateurs et pas naïe. Au solo, la qui m'a dit qu'on a fait un cabot qui va équipe, on a négé battu nos voter.
Merci. Merci Nagopé, ça déjà le monde autour le bango. Ah, on a réunion on a zalagité. Pourquoi? Bah bien 5 mais nazao bella. Moi na kenza été bien que na outil opération. Bah bien 5 mais fallait moi na kenza zalagité. Na outil dit moi. Nazo il compte rendu mais ça ma comme compte rendu ça interne on a ko dévoilé na ba presté. Mais bah pesa qui ba toke pour voter. Na okay sous musique. Na olinga peut-être na souka tant on a relax sabino au mona. Tant on a commis na katia sanet na zaki na réunion té. Na bengi moto azaka chargé. Il y a une question électorale dans le parti de Nabiso Oezali, Jacquemin Chabani. Je vais vous montrer une image rapidement. Si vous avez un nom de Mitt, vous avez un numéro. Ce qui vous dérange, vous avez un. Ok, merci. Je vais vous montrer une réunion qui vous a dit que vous avez un numéro. Mais vous avez voté. Je vais vous montrer un numéro. Vous avez un candidat. Vous avez voté. Habité honorable, vous avez désisté pour le compte. Il y a un député. Il y a IDPS. Bah, sénateur, bah, candidat sénateur, il y a IDPS. Votez quand on a parti. C'est ce que j'ai fait. Honorable, pour le bénéficiaire qui a été posagé, mais le bénéficiaire qui a été posagé, succès à la Cambodge. L'Assemblée provinciale, IDPS a 8 sièges de mon côté. Côté à Sénat. Pendant que Naboutou, il y a une réunion d'instruction. Attends, il y a une réunion. Mais instruction, attends, le téléphone, il y a une partie a décidé de voter. Très bien. Tant que mon comparaison entre consigne et parti, la réalité où est mis dans le Sénat, il y a un rôle de l'Ottawa. Non pas le rôle électeur, mais le rôle de l'Ottawa. Est-ce que il y a une corruption ou il y a une séduction? Il y a un électeur via campagne d'indépendance sur la séduire Bango. Ou bien, ils ont secret, il y a un accord où ils ont crié à chaque fois. Un accord où ils ont déjà signé, que PPRD fois ou FCC fois aura la majorité, il y a la présidence. Lecture de la ligne de Congo. Lecture d'Angéza, lecture d'Angéza est échec. Dû à quoi? Je ne sais pas. Mais raison, il faut ça pour éviter les tirs. Il faut que raison, il faut tout dans le bateau, où il y a voté qui monte mon sous, où il y a parti, tout n'est question. S'il vous plaît. Mais vote est individuel. Vieux loup, à qui nous votons la place à petit loup, tout ma petit loup, on voter la place à vieux loup. Vieux loup, à qui voter dans le. Et puis, il y a des gens qui ont vieux loup, ils ont engagé à yo. Té. Toi, quel est musique? Nalobi boy, question est aux ala mieux autour nango na moto yo oya kozala honnête. Alobi kenga na vota ki pona parti nanga te na vota ki pona moto mususu parce que assez du zakinga na ba valeur na ye tout na discours na ye parce qu'il y avait une période de campagne. Mais ngai question nango tout nanga te parce que ngai question nangai il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Tous osé la justice a fait pour na bato. Merci. Une dame na lingala. Honorable Monsieur Koko. Il est vrai, il y a le lobby, ma preuve, vota qui d'accueil, ma consigne à partie. Mais les lots ont dit mis solo que l'IDPS échoué. Et échoué dans l'élection, faut que le bambalam. Oui, dans l'élection sénatoriale. Sénatoriale. Échoué dans l'élection sénatoriale. Regarde, ni ma combattant, faut pas en avoir sur Bino. Dans ma Bino, il y a provinciaux. La Kinshasa, le quoi tout ça, la Kinshasa. Ma combattant va considérer Bino le Lengenin. Yo, vous avez candidat gouverneur. Nandeng est déjà échoué, parce que bah électeur, il y a un gouverneur, ils allaient faire un député professionnel. Yo, ça candidat. Espoir, na yo, ça basé na ni aussi longtemps que vous êtes sénateur de mon côté. Et puis la démarche, na yo, il y a pour les pièces, aujourd'hui, il y a un la Sénat exactement. Merci, Ndeko Kadhafi. Naza toujours, na yo, na yo, moi, vous expliquez yo. Et il y a eu les élections à bureau. Tu as eu l'élection, il y a sénatorial. Tu as eu l'élection, il y a bah, gouverneur. Ce sont des élections différentes. Et ça a un enjeu différent. Tu as confondre un côté. Ils ont encore le mot confondre l'IPA, Namukate. Les exemples, je vais faire ça simple. Tu as confondre, tu as comparé l'élection, on a mis ça tout. Si on peut comparer l'élection, mais si on peut comparer l'élection, il y a un gouverneur, il y a un bureau, il y a un sénateur. Il n'y a pas de match. Et basculer, Soussou. Je vous apprends que dans le bureau, tout ce qui poste, il y a Chibalabala, Francis, il y a Massina. Si quoi, est-ce que tout ce qui est la majorité, vous voyez, pour vous dire que, il a mené sa campagne, parce que c'est un avocat, maître avocat. N'habitez que bah oh bah je quitte bah ça mais il était non Mutumusa bid non oh yopo nanga bon pasteur Godé oh azal est le président de l'assemblée azal presque indépendant
mais il avait eu plus de 30 voix. Il y a aussi question de confiance dans cette assemblée. Il y a question de confiance aussi dans cette assemblée. Mais nous avons une question, nous avons une combattant. Le combattant, il y a un peu de comprendre que nous avons toujours une confiance dans la population. Ou la population peut avoir confiance. Oui, maman. Même si l'été, ce qui dépasse à l'ongoli, n'a l'obité que n'a zana kawana, pour n'a la voter qui parti, n'a zana maga place. Mais c'est normal, non? Bon, présomption d'innocence, existe à raté? Maman, présomption d'innocence, n'a vie est à raté, est à raté. Même le truc de la justice, ce le bâtiment sur la justice, mais banzouzi, bagoussa a peu banquette, batala, ou a pu voter pour la partie, ou a pu voter pour la partie, ou a pu a joué bongo. Il y a un problème qui existe, certes. Il y a un problème sérieux. Même quand on a touché pour partir dans Jésus, je suis touché. C'est mon parti. Je suis perdu. Je suis MLC. Je suis parti dans la ressource de la carrière politique. Donc, si l'homme a connu ce que tu as dit, il a profité pour que mon message, moi, je suis dans les réseaux sociaux, je suis dans le lobby, même sans IDPS, je suis répondu à Kabound. Si tu as dit que tu n'as pas de Mike Moukeba, tu as dit que c'est une news. C'est quand même compliqué ça. Donc, Internet, tout le monde peut me dire que je suis un peu plus de temps. Je n'ai jamais dit ça. Si tu as dit que 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 tu as dit. Je respecte mon parti. Jusqu'aujourd'hui, Nazali, na katia parti, je suis cadre du parti. Et puis, je n'ai pas trahi mon parti. Je le dis vraiment avec force que je n'ai pas trahi mon parti. C'est bon? Non, on va bien gravater. Ah, ok, une dernière question. Mais c'est l'idée qui vous a commis. On aura le temps pour le bas, on aura le talent vraiment. On aura le temps pour le bas, 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 on aura. Bah voter ngati na niveau nazala le mieux élu à ville à Kinshasa. Donc naza moto nazala le plus reconnaissant na batunyo sou bazali élu na Kinshasa. Jamais na retrahir Congo, jamais na retrahir peuple nanga, jamais na retrahir parti nanga et jamais na retrahir conscience nangai. Oyeza le plus important. Merci. Sou batou ba kopusa na ba mona ken na voter pour na parti nangai. Vous avez la bouteille à la pause.
Maître David. Ça va. Nous avons un téléphone, un caméra. Avant, la qui s'appelle nous avons image. Papa, nous avons une image. Nous avons poser une question. Nous avons une intention. Déjà, on m'a racheté la question sur le téléphone. Une intention. Na zoaki likanis. Donc il y a un des likanis hein. Il y a ko zoba image. Il y a un moment na bandaki présentation na bain na binoke. Na za na troisième mandature nanga. Na za ko acquiser Eric. Na za ko acquiser ba collègue nanga te. Mais je sais ce qui s'est passé en 2007 na ba élection. Sénatoriale de 2007. Il y a un zoaka toujours ma précaution, Balobaga, l'homme prudent voit le mal de loin et l'évite. Tout ça n'a bien Oeza, stylo caméra. Na fongoli awa, bato baïma comme ordinateur, baébi. Tout ça a trois parties dans l'ordinateur. Je peux avancer? Rachel, tu es distraite? Voilà. Il y a quoi apparaître, Rona? Bon, Yébimi. Les bosseuses ont trois parties dans l'ordinateur. Oyo. Boko Tanga, bon, stylo cam, bon, zoomé. Je vais commencer à vous faire mon nez pour que ça soit beaucoup mieux. Bon, awa, ce beau jour, bon, ils ont flashé. Caméra zo flashé wana. Zoom ezali awa. To kota siko yona stylo cam. To yena photo. Na shi batu bayebi mukolo date le kaki na ba heure batu bazaki na kati Rachel ozalaki kuno yebi. To zalaki le 15 mars 2019. Nga na votaki na ba 12h et quelques yango 12h28. Na cliqué photo à l'ibousso. Bon, mon akalongi, numéro 138, code barre aseni, IDPS et puis yeu. Dans la deuxième photo, na kende, tout na tigana noir. Tout dans la deuxième photo, il y a bulletin nanga, ce n'est pas l'ordinateur, c'est mon bulletin. Sénateur, Kalongi, Nsenda Mwana, Diedoné. Je pense que Bato, Bazo Kanisake, je crois que Traizaki peuple, Bazo, réponse nanga lelo. Na kozonga les sima yangwana numéro na 138 yewana logo ya parti corps barcode ya nini ya seni yangwana c'est bon merci beaucoup. Oui, maman. Oui. Je voulais préciser qu'il est sorti. Oui, là, il y a posé quelque chose. C'est bon. Achille. Bon, on a arrêté sur le côté de la bureau. Noté, bon, on a fouillé sur le côté. Il y a un bic. Hein? Et ça, il y a une circonstance. Maman, c'est moi qui guide. Les boutons sont là. Si je prends des photos, je fais des photos. Des fois, ça va prendre des photos. Si je veux filmer, je fais trois fois, ça va filmer. Mais avoir aussi la photographie, ça fait une expertise en photographie. Oui. Mais quelqu'un peut aussi douter que ça est authentique. Merci beaucoup, Nago. Nago. Ok, Nazo répond. Maman, nalati s'il vous plaît. Rachel, on a un côté dans le schéma pour la cité. Pourquoi, s'il vous plaît, n'a répondu au Kamouké. J'ai répondu à une seule question. Nalati bik nanga ao. Ok? Quand j'ai voté, je sais comment je l'ai manipulé. J'ai fait deux fois, j'ai fait deux photos. Ok? Je ne sais pas si fallait na kangana libo konanga. Je sais à quel moment moi je l'ai fait. Parce que les gens qui sont là, tu étais là, Rachel. Vous avez tout parce que moi, je suis là, je suis là, je suis là. Je ne vois pas, soit il y en a à répondre, soit il y en a.
et ce candidat a eu 2 voix. Bomoni date et ça on a quatre années. Rachel Omoni date. Omoni na heure. Beaucoup de personnes na seni beaucoup de bas na Mulumba a voté qui na heure ni et ça na bilta beaucoup na Rosali. Et puis pour aller plus loin, maman Rachel, merci. Photo oyo moni oyo. Ezakaka, candidat dans la photo wana na seni. Eza photo mona bala bala ta. C'est la même photo, on reçoit peut-être un commission d'imprimer, on peut ça non, ba ke na seni ba ko mona ke ba certifié, seni ko certifié que c'est la photo qui se trouve dans le dossier du candidat maman Rachel. Merci pour la question. Non. Photo moni wana. Ezaka candidat mon mutaye biango. Mais maman Rachel, attends, on a les boma, quelque chose que nous avons mis ça. Mais c'est ni pas au monde à émission d'un minute. Ah bah tu vois, ils ont habilité à sauter. C'est la CENI verra ça, maman Rachel. Quel risque je suis en train de prendre? Voilà, ils ont un débat, moi, ok. Conscience, n'en est pas tranquille. J'ai voté pour mon candidat. Au courant, vous posez la question si au candidat, vous avez 0 pour le moment. Mais n'en est pas un candidat. Vous votez qui est au PC, mais candidat, vous avez 0 voix. Il a 2 voix, y compris ma voix, je le dis avec ma conscience.